Merci à nous tous de vous asseoir. Merci à la dynamique jeunesse de Zia Legrewa qui a porté le corps de le moment. Merci beaucoup et à vous à nous tous. C'est sur ce psaume 121 que je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun. Nous sommes là ce soir parce que le Seigneur a accompli sa volonté. Notre Seigneur a appelé à lui notre maman, notre chère maman, sa servante, celle-là qui a combattu dans le ministère, qui a travaillé pour le Seigneur. Et depuis le mois de janvier, le Seigneur a rappelé sa servante à lui. Et nous sommes là ce soir pour ses funérailles. Nous sommes là pour ces derniers instants. Nous sommes là pour honorer la mémoire de notre maman. Et après cette veillée, va suivre l'illumination demain matin. Nous voulons donc nous tenir levés. Je demande à chacun de se tenir debout et nous allons confier ce programme à notre Seigneur. Je veux faire déplacer jusqu'ici le révérend pasteur Yoro Alain, pasteur de l'église USO de Yopougon Ouassakara. Oui, pasteur, restez sur place, on va envoyer un micro. Seigneur notre Dieu, notre Père, après que tu aies façonné la première personne qui était donc Adam, tu as soufflé, Seigneur, ce souffle de vie en lui et il est devenu une personne vivante. Et ta parole déclare que personne n'est maître de son souffle. Père éternel, quand tu retires, nous ne sommes plus rien. Nous sommes que cadavres. Seigneur, c'est difficile pour nous aujourd'hui de voir notre maman ainsi couchée. Mais il n'y a que toi qui réconforte, il n'y a que toi qui soutient, il n'y a que toi qui console. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, ce jour, te prier, pour cette soirée, te prier que tu consoles les cœurs, te prier, Seigneur, que tu fortifies tes enfants, te prier, Seigneur notre Dieu, que toi tu parles au cœur de tes enfants. Nous sommes là parce que c'est toi qui dis que c'est mieux pour nous d'être dans la maison de deuil que d'être, Seigneur, là où il y a le festin. Nous sommes là, Seigneur, viens. Viens prendre le contrôle, afin que tout ce qui se fera ici soit pour la seule gloire de ton nom. Notre prière que, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi soit ôté maintenant du milieu de nous, au nom de Jésus-Christ, et que toute la gloire te revienne. Tu es maître, nous nous remettons entièrement en tes mains. La gloire est à toi, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À côté des pasteurs, juste en face de moi. Veuillez prendre place. Nous commençons maintenant la veillée programmatique. Est-ce que le pasteur Oulaï Lionel est arrivé? Est-ce que le pasteur Pasco est arrivé? Je veux les voir rapidement à mes côtés. D'accord, nous allons allez avec une chanson. Vaut mieux que le commencement. Nous sommes au funérailles de notre maman qui a donné sa vie au Seigneur. C'est une joie parce que son âme repose auprès de notre Père. C'est pourquoi on doit être dans la joie et on doit ensemble nous réjouir. Alléluia! Que le Seigneur nous bénisse. Et donc,
La maman a servi à l'église UESO. Et l'église UESO est représentée depuis le sommet jusqu'au niveau de la région de Gagnoa. Et donc, nous voulons vous présenter le révérend pasteur Taïpan Théophile. Il va se tenir debout. Sous vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu. Je dis bien, sous vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu. Le révérend est le représentant du président, le docteur Siméon Gueux, président national des églises USO de Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons le président avec nous ce soir pour donner encore plus d'importance, oui, à cette cérémonie funéraire. Président, bonne arrivée, que le Seigneur vous bénisse. Il est également venu avec le révérend Yoro Alain. Alléluia. Il est le pasteur de la région de Yopougon, Abidjan Ouest 1, précisément de Yopougon Ouassakara. Donc le pasteur Yoro est venu également avec. Il va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur. Ok, révérend, soyez la bienvenue dans la région de Gagnoa, précisément à Grazia. Il est accompagné par le président des jeunes de l'église de Ouassakara. Voilà, nous acclamons le Seigneur pour le président des jeunes qui est avec nous, il représente toute la jeunesse de l'église. Nous avons aussi notre doyen Blé. Il est là. Ok, papa, tenez-vous levé. Acclamons le Seigneur pour l'ancien Blé. Il nous vient de Daloa. Il représente donc les églises USO de Daloa. En particulier le président régional de l'église de Daloa. Papa, bonne arrivée, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons à leur côté l'ancien Blémapol. Qui va se tenir debout, nous allons acclamer le Seigneur. Ok, ancien, merci beaucoup. À ses côtés, nous avons également les pasteurs de la région de Gagnoa. J'ai nommé ici le révérend Kouya Ernest de l'église USO de Gagnoa. Il va se tenir debout. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous avons également. Thank you.
Bye.
pas après le groupe CUC, alors Mouman Kizé va intervenir. Allez, Zéaka, maman. Allez, Zéaka, maman. Je ne dois dire que je suis en calvaire. On ne peut pas vous dire que vous avez un peu de temps. Oui, on a un peu de temps. Zéaka, maman. Je suis là, tout.
De très loin, il est président régional des églises USO d'Abidjan Nord. Et il est venu spécialement représenter le bureau de l'Union, en l'occurrence le président national des églises USO aussi, le révérend docteur Guy Siméon, qui lui aussi est endeuillé. Et pendant que nous sommes ici, il est à moi, en train de pleurer un parent à lui. Néanmoins, il a voulu se faire représenter. Et celui qui est là ce soir, je voudrais qu'on le reçoive avec des acclamations, parce qu'il vient muni de la parole de Dieu. Accueillons, s'il vous plaît, sous vos ovations, le révérend docteur Raymond Ferville. Jésus. Nous voulons ici dire à tous nos parents, leur présenter nos condoléances les plus attestées. Que le Dieu Tout-Puissant, qui a les mots justes, puisse vous consoler au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui console, la parole de Dieu qui enseigne, la parole de Dieu qui exhorte, la parole de Dieu qui édifie. Avec un éclat de rire. Oh, amoyedo. Avec une belle fille à côté. Oh, du mon yugra. La gauche à droite. Moi. Mais il y a l'éclat. Oh, il y a sur le Dieu sur terre. Oh, c'est la femme que je veux. Oh, bon, c'est l'argent que je veux. Oh, Dieu, si tes garçons descendent, va faire parable. Oh, quand il me regarde, prie d'un aïe à courma. Ok, du bois. Parable n'est pas fini de ta bouche, les mots. Oh, ben, ok, on y a maca, nous deux coups. Y'a qui aimait. Quand serait-il de toi? Qu'est-ce qui fait ta fierté? C'est ta beauté? C'est ton argent? C'est une belle villa? C'est ta grosse cylindre et voiture? Qu'est-ce qui fait ta fierté? La vraie fierté, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Avant de terminer ce message, réveille-toi là, la parole de Dieu qui passe, réveille-toi. Mets la main sur ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez votre main, vite! Papa, nous, vous qui avez les horloges au mur. Elle redit aussi sans cesse, vite, vite, vite. C'est-à-dire vous avez quelques années bref pour vivre. Et chaque jour, les raccourcis. Chers frères et sœurs, c'est une très bonne nouvelle à vous annoncer. Cette bonne nouvelle que Maman Coco a reçue. Elle a reçu. Oh, elle a compris. Oh, yeah, mon nom. Que Dieu ne l'ago. C'est fait homme. Ne convaincu à toi la gloire. Oh, ressuscité. À toi la victoire. Notre Père, toi qui as jugé bon de rappeler ta servante, ses enfants sont en pleurs parce que la séparation est très douloureuse. Quand ils se souviennent, Seigneur, de ce qu'ils ont vécu avec leur mère, ils sont dans une tristesse profonde. Nous te prions de les consoler au nom de Jésus-Christ. Nous te prions d'essuyer leur l'âme au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, si tout, s'ils sont faibles spirituellement, ô Seigneur, s'ils ne sont pas engagés réellement sur ton chemin, Seigneur, comme tu m'as transformé, comme tu t'es montré à moi, et Seigneur, tu as fait de moi aujourd'hui ton serviteur, je te prie, Seigneur, de les transformer au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le monde est méchant. Beaucoup vont vouloir porter atteinte à leur vie.
mais je le couvre du sang de Jésus-Christ. Afin que toute personne voulant porter atteinte à leur vie, ô Seigneur Jésus-Christ, que le mal qu'elle envoie contre ses enfants, que ce mal soit transformé en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Si Satan avait prévu des maladies graves dans leur vie, Seigneur, nous te prions que ces maladies soient transformées en santé de fer. S'il avait prévu des malheurs dans leur vie, nous te prions que ces malheurs soient transformés en bonheur au nom de Jésus-Christ. S'il avait prévu des échecs dans leur vie, que le succès prenne la place au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, s'il y a des maladies cachées dans leur corps, que ces maladies soient détruites au nom de Jésus-Christ. Tous les jours qu'ils vont passer ici au village, qu'ils soient sous ta protection au nom de Jésus-Christ. Et permet que leur douleur soit transformée par la joie. Permet que leur douleur soit transformée par la paix. Donne-leur la joie, Seigneur, de se réjouir parce que leur mère est sauvée. Elle est sauvée. Elle se réjouit actuellement auprès de toi. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que je prononce toute la bénédiction sur vous. C'est au nom de Jésus que je prononce la bénédiction sur vos enfants, de génération en génération, et que tout ce que vos mains vont toucher soit prospère au nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Oui, on va louer le Seigneur. Sans transition aucune, on va louer le Seigneur.
beaucoup, merci à notre maman. Merci beaucoup pour le coup musical de Gagnoua. Voilà, nous avons une sœur. Elle chante, elle vient d'Abidjan. Elle s'appelle. Entiendo, Mulu Lago, Entiendo, Amor de Bao, Entiendo, Mamuru Jesus, Entiendo, Nadaiwa, Entiendo, Mulu Lago, Entiendo, Amor de Bao, Entiendo, Mamuru Jesus.
Voilà, la prophétesse Déborah. On l'a dit, le Piacia, Ouroubanon. Voilà, que tu sois béni. Cela va me reprendre, il y a une Déborah. Il y a une Déborah. Voilà, merci. Voilà, Léontine Degré, elle a été ma voisine une fois. Léontine Degré, moi du coup, Déborah Néo, la prophétesse. Voilà. Bah, après, Zadia Yon. Voilà, si on retarde un peu, on t'a dit à nous, vers ce soir, nous, les amoureux, on t'a laissé, 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 Voilà, le grand Pankita a levé les pains dans les sachets. Va te aider à dégager à quitter là. Comment? A quitter le puits. Venez à mine à Kogba. Oh, t'es là, les beaux morts, viens là. Kosurena. 5 000. Oh, moi, Hortense. Son épouse. Zé Hortense. Zé Hortense. Oh, la main. Hortense, lui, d'où on va dans la troisième heure. Aujourd'hui, Hortense. Voilà. La Bible est très longue. La pasteur va apprécier la Bible. Oui, le grand frère de Néo Peter. 5 000. Tous les orphelins. 5 000. Même ceux qui ne sont pas reconnus, si on les envoie, 7 000 sont dans les 5 000. Clarisse. Voilà. Degré Léontine, voilà. Degré Léontine, elle prend pour la prophétesse tous les enfants, elle prend pour Sandrine, même Coco sec. Le candidat 2020. Ma, après Briouaman,
Tom Pelé, l'adjudant-chef major Tom Pelé. Pasteur Mikaya. Voilà. Pasteur Mikaya. Ouais, na pétard de cuit. Ouais, pétard de cuit. Voilà. Mettez-la, pétard de cuit, même, hein. Ah. Et que mon mouni a mis à. A qui t'a d'ailleurs?